Bien le bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode bonus, on va dire, sur Uncharted Lost Legacy. En fait, on va s'occuper en parallèle de la quête principale de tous les jetons de la reine. Alors je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais réussir à tous les faire en un seul épisode en faisant des recoupages, du montage et tout ça tu connais? Ou est-ce que je fais une série à part, à côté, une série bonus, on va dire, sur justement les jetons de la reine. Je verrai bien ça au montage, on verra bien. En attendant, on va se diriger vers le... On va les récupérer, je pense, dans le sens des aiguilles d'une montre, on va pas se faire chier. Le premier, il est pas très loin, il est tout droit là, il a juste allongé la falaise. Donc on va aller le récupérer, on va voir comment ça se passe. Il est juste allongé par ici, a priori. Let's go, c'est tout droit, c'est par ici. C'est là-dedans? Je vais juste jeter un coup d'œil. Ouais, j'ouvre l'œil. Ok, il y a des cloches. Qu'est-ce qu'on a là? Ce symbole. Aucun des trois qu'on cherche, mais il correspond à celui du temple qu'on a déjà visité. Ouais, est-ce qu'on peut grimper? Oui. Très bien. J'espère qu'il n'y a pas de serpent, hein, parce que je déteste ça. Qu'est-ce qu'on a là? Comment on l'a fait sonner? Elle tape dessus, non? Attends, il y avait un... On pouvait regarder ou pas? Non. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Comment on fait sonner la cloche? Bah faut trouver la bonne cloche, certainement. On se fasse repérer? Oui. C'est tout? Est-ce qu'il en reste des cloches? Normalement, c'est tout, hein. Ah, il reste celle-là là-bas, peut-être. Écoutez, à part ça, je vois pas ce que ça pourrait être. Ah! L'une des barres s'est retirée quand la cloche a sonné. Ok, est-ce qu'on peut rester ici et leur tirer dessus? Ah, faut les enchaîner, je pense, non? Soit faut les enchaîner, soit faut trouver le bon ordre. Ah tu vois, il y en a une qui s'ouvre, il y en a une qui se ferme. Si je retape sur celle-là. Je vais en taper une au pif. Et on va voir ce qui se passe. Si j'arrive à tout ouvrir au pif, on est pas mal quand même. Ah merde. Alors en fait, il y avait pas d'armes, en fait, il fallait toutes les taper. Assez vite pour qu'elle s'ouvre. Encore les armoiries d'un roi, Oysala. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le cacher ici. Ouais. Ok, donc carte mise à jour. Celui-là, c'est réglé.
On va se rendre au deuxième tout de suite qui est en face. Il n'y avait pas une façon plus discrète de faire ça? Non. Il y a du nouveau? J'ai trouvé un autre jeton. Ok, donc deuxième jeton. Deuxième jeton, on est ici, sur la map. Ah, encore un. Ça, c'est un éléphant. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui pointe? Il pointe un truc par là. Non, c'est pas ça. On va aller voir en haut. Parce qu'en fait, on a lui en bas là. Il pointe un truc là-bas en face, mais je vois pas ce qu'il y a. En fait, il devait pointer le temple qui était là-haut, je pense. Bref, notre symbole ici, c'est un éléphant. Notre symbole, c'est un éléphant qu'on a trouvé dans la. Ici là. Et là-bas, on a une statue d'éléphant. Donc, on va aller voir. S'il y a quelque chose. Ah, il y a un truc qui brille là-haut là. Ouais. Ah mais c'est un trésor. C'est pas le jeton. Pièce, oh, ça là. Ah, merde, on s'est fait douiller là. Bon, et maintenant l'éléphant, comment ça se passe là? Attends, on a quelque chose là? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a là? Attends un peu. Ben voilà. On peut pas tirer dessus ou faire quelque chose avec le. Ah putain de merde. Oh, il me faut un plus gros levier pour déplacer ça. Il faut un plus gros levier pour déplacer ça. Qui est bien coincé. Oui, et donc? Il doit y avoir un moyen de faire encore plus levier. Ça c'est cadeau. Physique. Ça c'est cadeau. En fait, l'éléphant, la statue de l'éléphant m'a induit en erreur. Allez, on l'a trouvé. On va s'occuper des méchants d'Assav. Et on se retrouve au prochain jeton. Ok, on est parti pour le troisième jeton. Bon, normalement, il n'y a pas d'ennemis. Hein.
petite grotte là-bas. Ouais, attends, je vérifie qu'on est bien au bon endroit quand même. Ok, très bien. Ok. Ok, 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 voyons voir. Qu'est-ce qu'on a par ici? C'était qui ça? Ah, c'était Nadine. Nadine fait toujours n'importe quoi. Par ici, on a rien. Par ici, on a rien. Tu pourras pas m'échapper. Ah bah voilà. Un nouveau jeton pour ma collection. C'est quoi ça? C'est un rat? Ouais, c'est un rat, on dirait bien. Alors, on va vérifier la carte. Eh bah écoute, le troisième jeton, c'est réglé. En route pour le quatrième jeton. On va ressortir d'ici. Allez, c'est parti. Ok, on est parti pour... Oh merde, 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 merde. On est parti pour le cinquième jeton, j'allais dire. D'accord, il y a des ennemis sur place. On est parti pour le cinquième jeton, les amis, désolé. Je vais vous montrer la carte. On est en bas, on est tout en bas là. Ici. Je pensais pas qu'il y aurait des ennemis. Je crois aussi. J'ai parlé trop vite. Attention! Oh bordel! D'accord. Plus personne. Bien! Ok, très bien, on va crocheter tout de suite le. Le coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une P90 et des grenades. Pousse-toi, Nadine! Ça me casse les couilles. Mais je veux pas la falle, putain. Encore une fois. Encore une fois, on n'y voit rien. Parce qu'on a son gros cul devant la caméra. Je sais pas, c'est une espèce de d'oiseau, de je sais pas quoi. Ah bah écoute, là tu connais, on va jeter une greu. Voilà, prends-toi ça, Nadine. J'ai plein de petits copains qui t'attendent, tu sais. Ok, celui-là c'est fait. Après tout ça, t'as trouvé quelque chose? On va se rendre. Et un nouveau jeton pour notre collection. En bas c'est réglé, on va aller celui qui est en bas à gauche. Il y en a trois les uns à côté des autres, c'est plutôt pas mal. Ah attends, est-ce qu'on fait pas d'abord plutôt celui qui est au centre? On va d'abord faire celui qui est au centre, près de la tour principale, du milieu de la carte. Allez, à tout de suite les potes. Ok, donc on est parti pour le sixième jeton. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6ème. Ouais, 6ème jeton. Alors on va déjà essayer de localiser l'emplacement. C'est quoi ça? Ok, il va y avoir un délire avec ça, c'est sûr. Ah ouais, il va y avoir un truc avec ça là, non? Ok, on va d'abord aller activer le... La quête, si je puis dire. Sauf qu'évidemment, je trouve pas l'emplacement. Normalement, il y a une espèce de... De petites statuettes qui nous donne un qui nous donne le symbole du prochain jeton, mais là ah c'est là-haut, c'est ça la petite ça a l'air d'être ça, non? Attends, ouais c'est ça. Rebonjour. Alors qu'est-ce qu'on a comme animal là? Un peu chelou.
Un peu chelou cet animal. On va voir à quoi ça sert. Ok, ça active des jets d'eau. C'est quoi ce bruit? Ok, il y a un timer. Je vais laisser le timer, voir ce que ça fait. Puis j'ai pas compté en plus, donc je sais pas combien de secondes on a. Ça s'est arrêté. Ok, à la fin ça s'accélère. Ok. Ah, oh, ça remet les fontaines en place. Ok, let's go. C'est un truc. Et un autre. Pour le plaisir des yeux. Il en reste encore deux. Il en reste plus qu'une. T'entends encore ce bruit? Y a une autre fontaine? Ah, retour à la case départ. J'ai réussi! Ok, c'était assez simple, on avait largement le temps d'y arriver. Encore un jeton Oysala pour ma collection. Je sais pas ce que c'est comme animal, hein. Je dirais une vache. Peut-être une vache, ouais. Allez. En route pour le 7ème, je crois, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, ouais, pour le 7ème, on va faire en bas, on va reprendre en bas à gauche, c'est parti. Ok, on se retrouve pour le 7ème jeton, donc en bas à gauche, a priori, j'ai repéré déjà les lieux, il y aurait quelque chose à faire avec le grappin, il y aurait tout un circuit. Quelle merveille, on va regarder la attend. Statue. Ok, très bien. Je regagne quand même les statues à chaque fois avant de commencer le défi. Enfin, l'espèce de défi pour récupérer le jeton, on sait jamais. Et on monte. Ok, je l'ai foiré. Il restait un. Il en restait un. Je pense que ça va être un peu la base du truc. Bon, ça va, je raterai ici. On va crocheter ça. Il y a trois serrures quand même. Enfin, trois serrures. Trois points. Ok. Et le dernier. Allez, fais-moi rêver là. Fais-moi rêver. Génial, deux grenades. Et le Krivosk. Ok, c'est tout, on a rien d'autre, y a pas de trésor. Non. Évidemment, rien n'est jamais simple. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Dans ma poche, petit jeton. Ok, très bien. Assez facile à récupérer. On peut voir un peu la vue qu'on a d'ici là. On ne voit rien à part là-bas le fleuve. Ok. On peut voir la carte.
Let's go, en route pour le 8e jeton. Allez, à tout de suite. Ok les mecs, donc il y avait, on est arrivé à un autre emplacement de jeton. On va regarder le symbole quand c'est même. Il y bon avait, signe, je dirais. Il y avait les hommes d'Assav qui étaient déjà sur place, donc je les ai fumés. Comme d'hab, tu connais. La base. Hop, le jeton, on le récupère. Ça fait des centaines d'années que tu m'attends. C'est un lion ou un chien, je sais pas. Voilà. Ah oui, d'accord, elle met des shoots comme ça dans les pierres au calme. On va aller faire celui qui est en bas tout de suite. Du temps qu'on y est. Je crois qu'on peut descendre par là, tout à l'heure j'ai vu. Ouais. Ouais, on peut descendre par là. Ok, let's go. La chasse a été bonne? J'ai trouvé un truc qui brille. Ok. Ok, on a un coq. Bon, c'est un alors. Coq. Pire caméra ever, hein. C'est bon? Un coq, une poule, j'en sais rien, appelle ça comme tu veux. Et des hommes d'Assav là-haut, a priori aussi, il y a déjà un camion. Ah oui, non mais attends, ça c'était le... Bon, est-ce qu'elle est la poule? Qu'est-ce que c'est que ça? La photo a été enregistrée sur votre téléphone. Bah écoute. C'est génial, mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de la photo? Ok, je vois pas trop où c'est, je comprends pas trop là. Je suis au bon endroit, mais... Mais... Ok, donc en fait, juste ici là... Juste ici, il y a un endroit où on peut se baigner. J'avais pas du tout vu la plaque là. Je suis dans une galère. Donc il suffit juste de plonger. De se mettre à cet endroit là, de plonger. Bon, et puis let's go. Hein. Je sais pas, on va l'explorer. Je sais pas du tout où c'est, mais. Ok. Sinon, je me disais bien que c'était dans l'eau, hein, parce que. Vu que c'était en plein milieu de la rivière, du fleuve. Ok, hey, c'est la poule. C'est une petite balade dans ma poche. Ah, ouais, c'est un canard. On va dire un canard. Alors, carte mise à jour. Ok, il nous en reste donc plus que deux. Ok, il en reste plus que deux. Ok, let's go, c'est parti. On remonte à la surface. Et on va s'en occuper. Alors... Pour remonter à la surface, on passe par ici. Ok, donc Nadine, elle nous a attendu tout du long. J'ai eu un peu de chance. Beau travail. Allez, c'est parti les potes. On va faire les deux derniers. Ok les potes, donc en fait, quand on arrive au jeton qui est juste au-dessus de la tour là, quand on fait les deux derniers, l'avant-dernier donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, là où vous voyez la flèche rouge, là où on est. Il y a des hommes d'Assav. Moi je les ai fumés en mode bourrin. Hein. Pas la peine d'y aller en mode infiltration. Ils sont un peu nuls. Il y a juste deux snipers. Dans ce camion, il y a un coffre à ouvrir. Et a priori le jeton se trouve dans le coffre. Te voilà. Et hop, je l'embarque. Par contre, j'ai pas du tout trouvé le symbole. J'ai pas du tout trouvé la petite. Ah bah c'est là-bas. Ok, c'était là-bas en fait. Bon, a priori ils avaient trouvé l'emplacement avant nous. Puisque ils ont dû détruire ça.
Ça devait être l'emplacement, je pense. L'emplacement du jeton. Il devait se trouver à l'intérieur. Donc ils l'avaient trouvé avant nous, ils étaient prêts à se barrer avec. Ok, bah c'est parti, on va faire le dernier tout de suite. Elle est où la voiture? Elle est là-bas. Allez, let's go. On va vérifier l'emplacement. Et c'est parti, on y va. Ok, donc on se trouve au dernier emplacement de jeton, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est le dernier. Je pense pas en avoir oublié. La statuette, elle est là. Ok, C'est un c'est cheval. parti. C'est un cheval. C'est où? C'est par là-haut? En fait, le problème, c'est que vous voyez sur la gauche de l'écran, j'ai la flèche de Ce l'objectif voyage principal. commence à me faire de la corne aux pieds. Et c'est un peu perturbant par moment. Ok, on n'a rien ici. Par ici, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ce bordel là? Bon, on a une espèce d'énigme. Heureusement que j'ai pas oublié mon cerveau à la maison. Ok, croix à changer le cadran. D'accord. Ça ressemble au Faire mécanisme de pivoter le cadran. verrouillage que j'ai Ok. déjà vu. Déplacer Un les peu pièces. compliqué. Ah! Chaque cadran tourne à droite. Ok, a priori les pièces. Ces pièces-là, il faut les faire passer de l'autre côté. Bah écoute, c'est facile, il faut juste faire passer la. J'y reviendrai après. Faut juste faire passer la petite tout de suite au middle. Elle est où la petite? C'est celle-là? Ouais, voilà. Ah Ah, non! là Oh, on la douille! avance. Ok, c'est bon, j'ai. En fait, faut les déplacer de l'autre côté, ça. Non. Bon, on fait là. Déplacer la pièce. Ok, très bien. Maintenant, il nous faut. La petite, elle est dans le bon sens. Ah oui, mais d'accord, ok. Alors attends. Oh le bordel. Ok, j'ai compris. Oh, merde. Merde, merde, merde. Oh la sauce. Je suis perdu là. Ok, là je l'enlève. Maintenant, si je fais ça, je change le cadran. Que je fais comme ça. Ça l'enlève. Le problème, c'est que j'arrive à le passer de l'autre côté, celui-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si j'ai plusieurs triangles, il va se remettre dans le.
pense qu'on est bon là. Allez, viens t'amuser avec nous. Bon bah maintenant c'est bon, faut juste changer les cadrans. Non. Dans l'ordre en place, le tout c'est d'avoir tous les disques pleins. Après, on aura juste à les remettre en place. Pas de problème. Pardon pour l'attente. Voilà, et puis après, on a juste à les remettre en place. Alors, pour les. Attends. C'est comme ça, je pense. Comme ça ou comme ça? C'est comme ça. Le grand il a l'air d'être à la bonne place, c'est celui-là. Ok. En fait j'étais juste perdu avec les morceaux manquants, savoir de quel côté les passer. Tu vois j'ai l'objectif principal qui me casse les couilles. Voilà qui font 11. Et le cheval. Et c'est terminé. On va aller récupérer notre récompense. On va vérifier quand même sur la carte qu'on n'en a pas oublié. On n'en a pas oublié. Très bien. Et ben on n'a plus qu'à aller chercher notre récompense. A tout de suite les amis. Ok, donc on est de retour au lieu principal. Là où il y a le bracelet. Avec tous les jetons en poche. On va voir ce qu'il faut faire. Parce que là il y a le bracelet à la con là. Cadeau. Ah bah voilà. Je dirais même un très joli cadeau. Après j'ai envie de te dire tout ça pour un putain de bracelet, ça casse les couilles quand même. Hein. Ça devrait rapporter un petit paquet à la vente. Sauf si je le garde. Quoi encore? Allons voir. Il y aura peut-être quelque chose pour toi. Vous avez trouvé le rubis de la reine. Trophée obtenu, c'est moi la reine. Le rubis de la reine détecte les trésors proches. Oh! Il détecte les trésors proches. Très bien. Alors j'espère que de ce côté-là, en fait, on va pouvoir accéder, tu sais, de l'autre côté où il y a les singes. Pour aller justement récupérer les deux petits trésors. Ah, parfait. Nickel. Hey, regarde qui est là. Langue gris. Hein? C'est des langues gris. C'est adorable. Ferme-la. Oh, et la tionge. D'accord, ok. En fait, la manette, quand je passe près d'un trésor, la manette, elle vibre et il y a un petit son. Je sais pas si vous avez pu l'entendre. Bon, je sais même pas ce que j'ai récupéré. Coupe en argent. Je sais plus ce que j'ai récupéré. Hein. Ouais, c'était ça. Le coup cri Oysala. Ok. Vous avez ramassé un trésor, appuyez sur option pour l'examiner de près. Ok, ça c'est fait. Ok, donc en fait, dès que je passe près d'un trésor... La manette elle vibre, et y a un petit son, une petite alerte sonore on va dire. Donc faut être attentif quand même. Bon bah voilà les potes, c'est tout. C'est tout pour ce passage. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Rien. Non parce que tu sais même avec le bracelet je suis capable de passer à côté des trésors. Ok là c'est la mort assurée. Donc il faut repasser par ici. Bon et bah c'était sympa cette petite quête secondaire annexe. Là on a tout récupéré, bah c'est bon, c'est fini, terminé. On a récupéré le bracelet qui nous permettra. Maintenant passons cette grande porte.
Voilà, passons cette grande porte, on retourne à l'objectif principal. On a récupéré ce petit bracelet qui nous permettra de trouver les trésors plus facilement, ou pas, j'en sais rien. On verra bien la suite de l'aventure, comment ça se passe. Bon voilà les potes, au prochain épisode, on reprend l'objectif principal. À la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, comme d'habitude. Ciao ciao.